et je me suis fait virer de mon cours. Parce que je faisais pas mes leçons le soir en fait, et le prof en a eu marre, il a commenté ma mère. Au bout de 6 mois, il a dit je veux plus, je veux plus. Mais c'est passé quelque chose d'assez phénoménal pour vous tous. Ouais, alors vous oui. Vous allez raconter quand même dans le détail, parce que c'est pas commun. Non, du tout. En fait, la fin de l'année 2018 a été assez mouvementée par l'événement. En fait. Et on a remporté la finale qui nous permet donc, de jouer enfin à partir de la Cisteria en février de l'année prochaine. Alors, c'est quoi le truc qui vous fait vibrer en fait à chaque fois C'est comme si j'avais une poussée d'adrénaline. C'est malheureux pour les autres groupes et j'ai vraiment envie qu'ils arrêtent de jouer pour que moi je monte sur scène. Quoi. Et dès que j'arrive sur scène, en fait, c'est tout autre moi où là je peux me libérer. Voilà. Ma famille, un peu comme des frères. C'est vrai que... Ouais. Eh bien... Oh, non, en vrai, ouais, un mot pour Alexis, je dirais talentueux. Merci. Non, c'est l'instant rose. Ouais, c'est le professeur dans la Casa de Papel. Exactement, c'est le professeur. Exactement. Mais je sais pas si vous avez vu le film Split. Le mec a plusieurs personnalités. Mais c'est aussi une putain de rockstar. Continue. Ouais, voilà, il est schizo. Et pour Mister D, je dirais dynamique. J'arrive à le micro, je me tape le micro dans les dents. Après, ça va arriver, je sais pas combien de fois. Parce que pendant ce moment-là, justement, j'avais un cible en fait dans l'œil. Donc je ne voyais absolument rien. J'ai entendu qu'il y avait quelque chose que j'arrivais pas à comprendre parce que j'étais effectivement dans ma partie. Alors, salut, je m'appelle Alexis. On m'appelle aussi Alex. Je suis chanteur et guitariste dans Scarif. C'est tout ce que j'ai à dire.